Il y a 10 ans jour pour jour, le 10 janvier 2014, une photographie historique ébranlait le paysage politique français. François Hollande, alors président de la République, casque sur la tête, en scooter, rejoignant une jeune femme qui n'était autre que l'actrice Julie Gayet. Cette image, publiée en une de Closer, a marqué le début du Gayety Gate. À l'époque, François Hollande était en couple avec Valérie Trierweiler, qui occupait le rôle de première dame de France. La relation entre François Hollande et Julie Gayet est alors devenue le centre de l'attention, occultant presque les enjeux politiques du moment. Malgré la tourmente médiatique et les critiques acerbes, François Hollande et Julie Gayet ont choisi de persévérer dans leur histoire d'amour naissante. Ils ont tenu bon, résistant à la pression de l'opinion publique et des médias. Souvent aperçue lors d'événements officiels aux côtés de l'ancien président, Julie Gayet n'a pourtant jamais souhaité devenir première dame. Dans les colonnes du journal du dimanche en juillet 2019, elle confiait à ce sujet, « Je suis convaincue que c'était le bon choix. Point. Je pense que je n'intéressais pas grand monde, mais on pouvait l'attaquer, lui, à travers moi. Je ne voulais pas qu'on se serve de moi comme d'une arme qu'on aurait pu retourner contre lui. » François Hollande et Julie Gayet, retour sur 10 ans d'amour en images. François Hollande et Julie Gayet se sont mariés en juin 2022, 10 ans après. François Hollande et Julie Gayet sont toujours ensemble, défiant les plus sceptiques et prouvant que leur amour était bien plus qu'une simple passade. En juin 2022, le couple a même franchi une étape importante en se mariant. La cérémonie s'est déroulée à Tulle, la ville natale de l'ancien président. Aujourd'hui, le couple vit une vie discrète, loin des projecteurs médiatiques qui les ont si souvent scrutés. Crédit photo, Franck Castel MPP Starface.